Salut, c'est Goldo comme d'hab et on est sur Celeste pour un nouvel épisode. Alors pour cet épisode, nous allons continuer notre aventure là où on s'était laissé la dernière fois. Nous avions terminé le premier chapitre, à savoir le mont Céleste. Nous sommes donc désormais arrivés, semblerait-il, au site ancien. Effectivement, il n'a pas été mis à jour depuis longtemps. Les normes ne sont pas respectées, ça tourne encore en vieux HTML tout pérave et il est temps de mettre à jour le PHP. Hop là, c'est parti, blague de geek MDRLOL. Let's go. Bon, ça c'est réglé. Les fraises impressionneront tes amis, mais sais-tu le ? Ne les ramasse que si tu y tiens vraiment. Quoi ? Comment ça, c'est honteux ? C'est honteux. C'est une honte. C'est un scandale. Ah, y'a eu des flammes vertes, lui ? Ça c'est... Tu as un métal bien précieux. Je sais plus lequel métal avec lequel tu peux faire des flammes vertes en plus. Mais il faut que je retourne voir des vidéos de Neil Reed. Alors... Ah, oh, style ! Le slingage là, je le comprends pas très bien, lui. Aïe aïe. Là, j'ai bien l'impression que je suis dans un rêve, là. Alors, bon, très bien si vous voulez. Pourquoi pas, why not? Donc, la porte! La porte! Ouvre ta porte! Attends, est-ce qu'il y a moyen déjà de passer ici? Non, d'accord, ok. Ça a été un peu dur, j'ai l'impression, de passer par ici, là. Mais, impossible, impossible n'est pas cold dog. Attends. Ah! Bon, attendez, c'est juste un tout petit peu. Bonne merde. Attends. Comme ça, peut-être. Non, ça va être trop chaud. Ok, d'accord, bon, tant pis. Je pense qu'en fait, t'es censé descendre de là plus qu'y monter. Mais par contre, c'est très stylé tout ça là. Donc, soit elle s'est complètement intoxiquée avec les vapeurs du feu de camp, ce qui est une possibilité, elle est en pleine hallucination. Le bon monoxyde de carbone, oh, c'est un délice. Soit sinon, c'est tout simplement un rêve, hein, mais bon, je préfère partir sur intoxication. Ou alors, c'est les fraises. Les fraises, il y avait peut-être quelque chose de bizarre dans les fraises, tu vois. Et puis, oh, la lanterne. La lanterne qui bouge. Et là, ici, un passage. Oui, non, mais... C'est évident. C'est... Le ? Tu veux que je récupère la fraise qui t'a dessus, le ? Attends. C'est censé venir de la droite. Je sais pas. À moins que tu puisses peut-être péter les blocs qui sont... Comment dire ? Les blocs avec les bulles de dingue ? Peut-être ? Attends, mais je pense qu'en fait ça doit être l'accès principal, parce que vu que t'as des espèces de... Ah, c'est pas facile en fait de savoir. En fait, vu que t'as 15 000 embranchements différents, le jeu il peut te faire passer là où il veut, quoi. Là c'est pareil, tu vois, il y a un truc là-dedans, clairement. Ok, et j'ai pas l'impression de pouvoir péter ça non plus. C'est étonnant. C'est intriguant, tiens. C'est étonnant. Bon, ça par contre, clairement, ça c'était évident. Alors merci bien. Ok, est-ce que je vois autre chose? Non, j'ai pas l'impression. Hop, merci. J'ai vu par contre une porte. Je pense que ça, là, clairement, ça bouge. À chaque fois qu'on voit genre un gros bloc, au bout d'un moment, il y a forcément un truc qui le fait bouger au bout d'un moment, tu vois. À voir quoi et comment, tu vois. Ouh. Oh le bon passage. Oh le bon passage. Oh là là. Ouh, ça va être délicieux. Oh, ça va être exquis. Oh, ça va être divin, ça. Oh, ça va être divin. Oh. Ouf. Alors, attends. Peut-être par le bas, plutôt. Ouais, tu le fais comme ça. Ok, d'accord. Tu prends le mur de droite. Ensuite, tu remontes. Et ensuite, tu sautes vers... Ok. Aïe, trop tôt. D'accord. Ah oui. Aïe, trop tôt encore. D'accord, ok. Oui, effectivement. Ok, alors par contre, mais il y a une difficulté là, subitement, qui passe, hein. Qui franchit un gros pic, quoi. C'est assez incroyable, ça. Non, mais non, s'il vous plaît, quand même, faites un effort, monsieur. Hop. Hop, là. Parfait, merci. Il suffisait juste de le demander, hein. Voilà, tu me demandes de faire un effort, j'en fais un. Après, c'est pas dit que j'en ferai deux. C'est clair, non, parce que tu m'as demandé d'en faire un, j'en fais un, mais moi je suis économe en effort, attention. Ah, on est feignant ou on ne l'est pas? Moi je sais que je le suis, hein. Il y a zéro problème. Aïe. D'accord, bah, très bien. Attends. Ouais, comme ça, c'est pas logique. Voilà. Ok. Hop là, Bille bougeoir. Oh, il y avait un accès en bas. Oh, j'ai raté l'accès en bas, lui. Aïe, aïe. Hostie. C'est le miroir du désir. Tabernacle.
Musique qui change. Aïe aïe! Ça, c'était un cauchemar que je faisais quand j'étais petit. Hein. Un double maléfique dans le miroir qui sort du miroir. Hostile! Ah! Non, mais ça, c'était évident en même temps. Au bout d'un moment, forcément, ça te bloquait trop de chemin pour pas que ça arrive, ça. Alors. Wait, what? Wait! Oh! Oh, mais oui, mais c'est du. Ah oui, ça, c'est brillant, ça, c'est beau. D'accord. Et donc, j'en fais quoi, en fait? J'en fais quoi? Parce que là, par exemple, là, je suis content, tu vois. Je sais désormais que je peux. Il y a potentiellement une fraise en bas, tu vois. Mais ça change pas le fait que je puisse pas forcément y accéder, quoi. Suivant. Enfin, est-ce qu'il est juste en train de me dire t'as raté ça ou... Parce que là, tu vois, ici, je peux toujours pas y retourner non plus, quoi. La musique, par contre, la musique est juste démente. Hein, franchement, de toute façon, l'OST de Céleste est connu pour être génial. Bon, bah voilà, quoi. C'est pas moi qui irais dire le contraire, quoi. Ah oui, d'accord, ok. D'accord, donc ça, c'est compris. Très bien, pas de problème. Donc il faut que tu puisses sortir. D'accord, ok, ça fait mal aussi. Il faut que tu puisses sortir dans une poche d'air, on va dire. Mais faut pas se prendre un mur en pleine tronche, quoi. Sinon, ça fait mal. Très bien, c'est compris. C'est compris. Je retiens. Ah, mais c'est carrément stylé, par contre, ça, comme fonctionnalité. Hein. Oh. Ok, donc là, comme ça, tu peux redescendre. Et tu peux retourner récupérer, effectivement, la fraise que t'as ratée précédemment. Y a pas de problème. Hop là! Voilà, comme ceci. Très bien. Très bien. Ok, d'accord. Et en fait, il y avait juste que cette phrase-là. Effectivement, il n'y a pas de problème. Il y a que des solutions. Effectivement, hein. Bravo. Ce qui nous ramène donc au final à cette pièce-ci. Très bien. Donc là, à partir de là, par exemple, on peut retourner par là. Et donc là, maintenant, on peut récupérer ça. D'accord. Et donc, ça fait quoi en fait? Ok, ça fait que nous suivre temporairement. Quoi. Est-ce que faut que je la récupère en plus comme ça ou qu'est-ce qui se passe? Ah, attends. Est-ce qu'il faudrait pas essayer de tous les récolter en une fois ou un truc comme ça? Je sais pas. Ou alors les fuir? J'ai l'impression que... Ouais, c'est ça en fait. Je pense qu'il faut réussir à les fuir ou ne pas atterrir quoi. Ah ouais, c'est ça, faut... Ah ouais, d'accord, en fait, faut tous les récupérer sans jamais atterrir, j'ai l'impression. Voilà. Ah, terrible. Trop bien. Et ça te donne une fraise. Bien, bien ça, bien ça, j'aime beaucoup ça. Ah, c'est trop bien. Excellent. Quel jeu de ouf. Ah, mais faut pas mettre ce genre de jeu là entre les mains en fait. Quelle idée. Mais quelle idée. Quelle idée ai-je. Bille bourgeois. Bille bourgeois. Ah. D'accord, alors. C'est jouable. C'est jouable, mais ça va être un peu tendu. Bougera. Quand je vous disais que c'était jouable. Hey. Attends. Si tu fais un truc comme ça, par exemple, ouais, c'est mieux. Là. Voilà, parfait. Parfait, parfait. Ok, d'accord. Fraise. Hey. Coup dur. Alors, attends. On va y réfléchir intelligemment. Hop là. Voilà, c'est comme ça qu'on fait. C'est comme ça qu'on fait, mon petit. En bas ou en haut? Je pense que c'est... En vrai, ça fait pas grande différence. Peut-être que si, en fait. Attends. Ouais, bah, c'est bon, en fait. Ouï. D'accord, tripling. En fait, si j'ai moyen de repasser par en bas, je pense que ce serait presque plus simple. Oh, quoique. Non, ça va, c'est bon. Impeccable, parfait. Est-ce qu'il y avait à tout hasard des trucs planqués quelque part par là? Non, je n'ai pas l'impression. La musique est vraiment trop bien. Ça, c'est une musique que j'avais déjà entendue avant. Résurrection, si je dis pas de bêtises, qui est juste terrible. Terrible. Incroyable. Un petit peu badante, hein, on va pas se mentir. Pas de problème. Mais néanmoins, terrible. Vraiment trop bien. Passe trop bien dans le jeu. Alors. Ah, et donc désormais, je peux également passer par ici. Effectivement. Oh, la musique, elle s'arrête. Ah, parce que... Ok, d'accord, timing. D'accord, pas de problème. Oui, bah oui. Jean-Michel Timing, bonjour. Ok, excellent. Le timing, j'en ai rien à me foutre. C'est bon. Oui.
Effectivement, ouais. Non, là, cette fois-ci, il fallait se désynchroniser, justement. Non, trop tôt. Attends. Ouais, c'est se concentrer, deux secondes. Non, trop tôt encore. Là, à mon avis, faut rester accroché. Ah, mais... Ah, le sprint. Voilà, comme ça. Ok, c'est pas si dur que ça, en fait. Oui. Oui, délicieux. C'est exquis. Comme ça. Ah, je suis très mauvais dans les jeux du style Megaman et compagnie, parce que t'as plein de séquences dans ce genre-là, en fait. Donc là, forcément, ça va pas changer, tu vois. Ok. Hop, alors. Ok, parfait. Oh, la vache. C'est un deal. Face B débloquée. Face B toi-même. Donc. Oh, la bulle. Ok, d'accord. Ok, c'était aimable. Ah, c'était juste un truc bonus. Ah oui, d'accord, ok. Mais alors, Sparule. Lol, Sparule. Mais alors, faut-il que j'aille, là? Là, je me suis perdu dans une montagne bizarre avec des bubbles partout, là. Aïe, aïe. Là, faut-il que j'aille par ici? Là, ça me semble pas être par là. Faut que j'arrête avec ça, sans déconner. Attends. Par là? Ah, faut peut-être tout simplement revenir de là où tu viens, en fait. Hein. Non, mais s'il vous plaît, faites un effort, quand même, monsieur. Voilà, merci. Alors, attends. Tiens. Ensuite, tu vas par ici, évidemment. C'est par là. Ah, là-dessus. Ah non, t'es bloqué. Effectivement. Et à gauche, par là, il y avait que dalle. Ah, mais si, il y avait ça. Et oui, tout à l'heure, nous étions bloqués, souvenez-vous-en. Mais ce n'est plus le cas désormais. Hop là, on peut faire ceci. Et donc voilà, il y avait bien un truc par là. Ok, ça c'est clair et net. Non, mais tu veux faire le plaisir de sauter. Voilà, on va prendre. Comme ça. Ok, d'accord. Comme ça. Et puis comme ça, tout simplement. Lol. Je vais réussir à monter, là. Attends, y'a rien, là. Non, c'est bon, y'a rien. Allez, merci. Madeleine, ma chère, ralentis, là. Qui a parlé? Oh, je suis une observatrice inquiète, là. Tiens. Tu es moi? Je suis une partie de toi. Pourquoi une partie de moi a l'air si sinistre? C'est mon apparence, d'accord? Bonjour, vous êtes très sinistre, monsieur. Merci beaucoup. Je vais t'y faire. Désolé, je ne voulais pas. N'y pense plus. Tu savais quel soulagement c'est de sortir enfin de ta tête. Mais écoute, je suis inquiète à notre sujet. Il nous faut un loisir, mais là... Je sais que ça paraît fou, mais je dois gravir cette montagne. Moi, cher, je suis tout sauf une alpiniste. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Je sais que ce n'est pas ton fort, mais sois raisonnable pour une fois. N'imagine pas dans quoi tu te lances. Tu n'y arriveras pas. C'est exactement pour ça que je dois le faire. Es-tu la faible partie de moi ou la partie paresseuse? Je suis la partie pragmatique. Absolument pragmatique. Et j'ai hâte de rester diplomate, là. Un train à la maison. Oh, petit détail qui rend vachement bien, si je puis me permettre, la 30 secondes pendant le dialogue. C'est la mèche de cheveux qui pendouille en dehors du cadre de dialogue. J'aime beaucoup. Rentrons à la maison ensemble. Tiens. Non. Ah, d'accord. D'accord. Donc, en fait, il faut pas se laisser atteindre. D'accord. Tu as compris. Tu vois, attends. Hop là. Attends, il y a une fraise. Pif, la fraise. Aïe. Bon, attends, pif les pointes. Attends. Touche, c'est toi le loup. Attaque. Ah non, mais non. Non. Bon, ok, d'accord. Bah, si moi je vais tout seul dans le mur là, c'est pas bon. Ah, attends. Non, ça c'est pas bon non plus. Très bien, il lui fallu s'accrocher au mur. Bonjour. Je t'attends. Hein. Hop là, comment que c'est, ça gaze quoi? Aïe. Bah, ça gaze, c'est toi. Aïe. Hop là. Alors, attends. Ouh.
La frise, là? Là, comment je fais pour récupérer cette frise? Attends 30 secondes, là, moi des ténèbres, là. Faut que je trouve un moyen d'accéder à cette frise, là. Attends. Aïe. Non, mais t'es pas sympa à mettre des idées en plein milieu de tout, là, quand même. Tu vois bien que je suis en train d'essayer d'accéder à une fraise. Voilà, merci beaucoup. Je t'attendais. Voilà, je vais passer comme ça. Ici, y'a rien? Non, y'a rien. C'est pas grave, hein, au pire, si on recommence vite fait, ça valait le coup de vérifier. Okay. Alors, attends. Ici, y'a rien non plus. Ok, très bien. Ensuite, par ici. Excusez-moi. Excusez-moi, madame. Ah, ici, en haut, là, y'a un truc. Ah, quoique. Vas-y. Ah, ça va être compliqué d'y accéder en même temps. Attends. Non, y'a rien du tout. Ok. Ah, la musique, quoi. Mais la musique, sans déconner. Hein. Incroyable. Ah, c'est chez vous. C'est chez vous que ça a sonné, hein, pour info. Prie mieux d'aller vérifier au cas où ce soit la pizza. Alors. Ah oui, d'accord, ok. C'est juste. Il faut récupérer... faut tous les récupérer, du coup. Forcément, sans mourir, effectivement. Ah! Presque. Alors, j'ai l'habitude de ce genre de passage là, grâce. Attention, j'y reviens tout le temps à ceux-là. Hein. Un RN++, forcément. Dans lequel tu as des niveaux avec des doubles maléfiques. Mais disons, ça sonne encore. Il est pressé le livreur. Hein. Donc, ouais, mine de rien, ça te donne l'habitude d'esquiver des doubles maléfiques, forcément. Voilà. Parce que t'as des niveaux où t'en as un, ensuite t'en as plusieurs qui te suivent, et ensuite t'en as à l'infini en fait. C'est-à-dire que tant que tu restes dans le niveau, bah ça va te générer des doubles maléfiques qui vont te suivre. Donc tu finis par prendre l'habitude de réfléchir en double maléfique. Genre là par exemple, je sais que je veux esquiver plus sur un côté. Attends, là il y a forcément un truc aussi. Là par exemple, pareil, j'ai fait une petite erreur, mais c'est bon, ça je peux temporiser, c'est rien. Okay, d'accord, là encore une note. Parce qu'au final, en fait, tout ce qu'ils font, c'est reproduire exactement les mêmes patterns que moi. Donc tout ce que j'ai à faire finalement, c'est temporiser par moment, et je sais qu'ils vont temporiser. Genre là, on les a vus un petit peu ralentir et tout, et c'était bon. Mais par contre, j'ai raté un truc hein, sur le tableau précédent. Mmh, c'était exquis ça. Oh là 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 là. C'est beau ce genre de passage par contre. Oh la vache. Quand ça te demande un peu de concentration comme ça, on aime beaucoup. Hein. Attaque. Parce que là, j'aurais aimé quand même retourner voir au niveau du cube. Là, il y a deux trucs pour moi qui sont planqués. T'en as un juste dans l'allée centrale, là. Et t'en as peut-être probablement même un. Ah ouais, non. Au-dessus du cube, t'as que d'elle déjà, ça c'est clair et net. Ok, donc ça, en fait, t'es juste censé le faire tomber. Et je suis certain que, genre, au niveau de la grosse allée de ouf, là, il y en a un autre. Mais bon, tant pis, on le ratera, celui-là. Pas m'acharner pendant 15 ans non plus, faut qu'on avance au bout d'un moment. Hop. Ah, la musique quoi, mais la musique sans déconner, hein. Quelle dinguerie. Oh, incroyable. Aïe aïe. Hostie le. Hostie. Hostie. Lol. Comment tu fais pour l'esquiver? Mais tu peux pas en fait. T'es censé faire tomber le bloc. À moins que t'aies un autre passage. Comme ça, ça me paraît pas évident. Pas. Ah. Ok. Ok. D'accord, très bien. Attends, on va y aller tranquillement. Allez. Non, mais oui, non, mais si je me prends les points, tout aussi. Pur délice. Cette musique, elle est incroyable. Hein. C'est un truc de ouf. Alors. Ok, alors attends. Le tout, une fois que t'arrives en bas, c'est de savoir par où tu vas, en fait. Ok, ça c'est pas mal déjà, c'est un bon début. Ah, il y en a 4. D'accord. Donc on évite d'aller à... Soit tu vas à droite direct, mais genre vraiment direct, c'est la guerre, quoi, tu vois. Soit, et t'as pas le temps de le faire. Non, donc t'as pas le temps de le faire, ok. Donc en fait, non, vaut mieux aller par là. Direct. J'ai foiré mon saut, c'est pas grave. Allez, allez, allez. Merci. Non, mais non, mais non, mais non, mais non, mais... Sans déconner. Bon, l'important, c'est comment on a récupéré la fraise. Ça, c'est bon. Ah, mais du coup, je suis obligé de passer par là, en fait. Enfin, là, on va vérifier, d'ailleurs, mais... Ouais. Parfait. Ça, on peut le faire plus en mode tranquille.
Bon, à la limite, maintenant qu'on a le raccourci, sinon, hein, c'est pareil. Oh la vache! Ah, mais ce passage-là, il va être tendu aussi, hein. Aïe. Ouf. En fait, faudrait réussir à accrocher le bloc de glace sur le côté. Ouais, non, c'est tendu. Faut réussir à l'accrocher sur le côté, c'est pas simple. Ok, alors ici... Non, mais par contre, le saut qui part pas, ça, c'est super frustrant, en fait. C'est extrêmement frustrant. C'est probablement dû au fait que, je sais pas, t'as un délai... Non, par certains moments, tu vois, mais... ouais, super énervant. Ah, oh, je me suis mis dans la semoule. La semoule. Ok, ici, on temporise. Ah oh, bah, bien le bougeoir. Ah oh, bah, décidément, le livreur. On pourrait pas aller le voir au bout d'un moment, le livreur. Alors, tac tac. Non, ici, rien. Hop là. Oh, ici, il y avait des trucs à droite, je pense. Hey, dis donc. Tu me suis là, toujours ou pas? Ah, tu me suis plus. Et si je remonte? Si je remonte, elle revient ou pas? Reviens! Reviens, on n'avait pas fini de s'amuser, toi et moi. Est-ce que je peux retourner là? Non, je peux pas. Y a rien en fait. Bon bah tant pis. Au moins on a vérifié. On a vérifié. Après, ça se trouve, t'as un autre accès et juste j'ai pas trouvé. Tu vois. Ah, mais par contre, ici, ça sent le retour de notre côté obscur. C'est le côté obscur de Madeleine. Le sombre monarque débarque, étale son pouvoir. Pardon, excusez-moi. Hein. Alors. Est-ce que je peux. Il y a forcément des trucs à visiter en haut aussi. Aïe. Comme la mort, par exemple. Ah, mais la musique est juste incroyable. Hein. Je m'en remettrai pas. Hein. Genre, pour peu que t'apprécies un minimum la musique, là, tu te régales avec ce jeu. C'est incroyable. Ah! Presque. Presque. Alors, attends. Ça, forcément, c'est tout à fait dispensable. Donc, c'est indispensable, effectivement. Il va falloir qu'on la récupère, hein. Hop là! Ouh, c'était pixel perfect, ça! Oh la vache! Oh, le dernier, il était au pixel, quoi! Ah, mais attends, il y a un truc en dessous. Effectivement, il y a bien un truc en dessous. Alors. Oh la vache! Ah, mais c'est des fous furieux, en fait. Oh. Ah, mais c'est des tarés! C'est des grandes malades! Bon alors, on va leur faire un niveau où en fait t'auras des pointes en bas, en haut. Et grosso modo, faut que tu fasses des sprints dans des espèces de blocs bizarres. Sauf que le seul moyen d'accéder, c'est par le côté le bas. Mais forcément, vu que t'as des pointes partout, tu vas probablement mourir en boucle. Hop là ! Et donc grosso modo, il va falloir faire un diagonale, puis diagonale encore. Bonne chance. Oh la vache! Ouh. Alors, c'était pas mon plan, mais ça a marché. Pardon, excusez-moi, mais faut que je reprenne un bon souffle. Alors, par contre, le retour, il va être aussi marrant, quoi. Ah non, c'est bon, ça va, ils sont gentils. Attends, j'avais fait juste un truc pour tout le monde, mais la fraise... Ouais, non, la fraise, c'est bon. Ok, parfait. Parfait. Ça valait le coup de mourir une fois de plus. Hein. Ha. Ah mais les tarés quoi. Les furieux de la plateforme. Les fous. Juste les fous en fait. Oui non mais non mais s'il vous plaît monsieur quand même voyons. Faites un effort là monsieur. Y'a rien ici, non y'a rien. Bon, okay, d'accord, très bien. I. Habile le bougeoir. Oui allô. Ah, attends, je vais répondre. Ah bah tu bouges pas, je vais répondre. Ah, entre la porte qui sonne, le téléphone à maintenant à Bonhomère. Allô, Prison Man? Oui, je suis Madeleine. Tu appelles d'une cabine? C'est pas moi qui appelle, le, c'est toi qui appelle, le. Moi, je fais que répondre. Oui, le. Non, attends, c'est toi qui appelle. Je les devine, les dialogues sont tombés. Qu'est-ce que tu racontes? Peu importe, je suis des ennuis, le. Je suis pourchassé par quelqu'un. Tu ne comprends pas bien ce qui se passe, mais je me sens intangible. Je le sens. Madeleine, tu ne m'appelles que quand tu es panique au milieu de la nuit. Inutile d'inventer des histoires ridicules pour attirer mon attention. Tu n'inventes rien, là. Tu ne changeras jamais. Chut.
Ça va, calme-toi. Je m'excuse, chérie. Je t'écoute. Je crame le mot céleste. J'ai trouvé un étrange miroir, il s'est brisé, mais une partie de moi s'en est échappée. Et... Mais oui, effectivement, puisque quand les choses se cassent, elles se brisent en plusieurs morceaux. When things break, they shatter, comme le dit la chanson. Tu fais un rêve, n'est-ce pas, lui ? Madeleine, bien sûr, tu fais un rêve. Je ne t'ai pas parlé depuis des mois. Pourquoi commencerais-je maintenant ? Bah, pourquoi gravir cette stupide montagne, lui ? Je me pose la même question. Il est temps d'abandonner et de rentrer à la maison, là. Aïe aïe. Effectivement, petit téléphone aromatisé Madeleine, c'est notre exquis. Donc effectivement, tout ça n'était bel et bien qu'un rêve. Bon, effectivement, donc le mont céleste n'est pas changé. Est-ce que je suis pas allé à gauche, là ? Non, je peux pas. Effectivement, toujours vérifier si on peut aller à gauche. Incroyable. Par contre, là, j'ai pas vérifié depuis combien de temps j'enregistre, donc si vous me le permettez, là... Ouais, c'est bon, on est encore un peu large. Allez, c'est parti, on reprend. Alors, donc forcément, tout ça, en plus, on vient de le faire, donc, dans l'histoire, là, hein. C'est... Alors, attends. Ah, mais attends, mais c'est pas tout à fait pareil. Mais c'est incroyable. Oh là là, mais ce sont des ruines magnifiques. Oh, oh mais c'est tout évident. C'est évident. Toujours vérifier s'il y a quelque chose à gauche. Attends. Ici, je peux tout simplement faire ceci. Tac, tac, tac. Là, il y a plein d'étoiles dans le ciel. Ah, attends. Par où puis-je aller ? Je peux aller par là. Oh ! Ça, c'est quoi ça ? Un vieux livre poussiéreux est ouvert sur la table. Sur une page défraîchie, il y a un poème. Une apparition, pas de ce monde, mais créée par lui, cachée hors cadre. Consciente, mon cœur est une forteresse, en rêve, je suis vulnérable. Oui, effectivement. Waouh. Le ? Je fais comment pour y accéder, le ? Tu n'y accèdes pas, tu observes juste. S'écriai-je. Il y a forcément moyen d'y accéder. Caché hors cadre. Attends. Ça, c'est un indice. Une apparition, pas de ce monde, mais créée par lui, caché hors cadre. Conscient de mon cœur est une forteresse, en rêve, je suis vulnérable. Donc, dans le rêve. Ah, tu peux y accéder en rêve, mais pas. En fait, faut retourner ici dans le rêve, parce que, en fait, en vrai, tu peux pas accéder au truc, j'imagine. C'est ça ? Tout simplement. À moins que peut-être par là. Non, bah non, mais par là, de toute façon, j'ai déjà caché mon sprint, donc je peux pas, je pense. Ouais, non, je pense que c'est tout simplement ça, en fait. Ok. Très bien. Bon, bah, why not, écoute. Donc, on saura qu'il faudra qu'on essaye de retourner par ici, dans le monde du rêve, si néanmoins on peut retourner. Ou alors revenir ici, dans un éventuel épisode collecte des trucs qu'on aurait oublié, éventuel. Je ne dis pas qu'on le fera, hein, mais éventuel. Salut, Madeleine, tu as réussi ! Monter là-haut fut difficile, mais en même temps t'allais pas monter là-bas, enfin en bas plutôt, mais ça valait vraiment le coup. Regarde un peu sur ruines. Sont splendides, hein, j'ai pris plein de belles photos, je les ai mis sur mon Instagram, je les ai également mis sur mon TikTok ainsi que sur mon Only. Ah non, ça n'a pas le droit de dire ça sur YouTube. Ah bien sûr. Je vais surtout voir ton Only, j'ai pas le droit de dire ça sur YouTube. Hein. Ah bah c'est incroyable, hein. Pourquoi j'ai l'accent du sud maintenant ? Tes voix elles sont super. Hein. Je finirai peut-être par atteindre 1 000 000 d'abonnés avec ça. J'ai vraiment très hâte d'atteindre 1 000 000 d'abonnés. J'ai hâte d'avoir des pouces bleus, je veux que les gens m'aiment. Oh vite, oh, mettez-moi les pouces bleus. Pardon, excuse-moi. Oh, il faut qu'on fête officiellement cet événement. Viens, on se prend en photo. Vu que t'es une gonzesse, je vais faire vraiment plein de vues en plus. Prends un selfie avec moi. Non, non, c'est juste parce que je t'aime bien, t'inquiète. Je sais pas si c'est une bonne idée pour l'instant. Allez, sois cool, regarde. Hop là. Et voilà. Regarde, j'ai déjà 42 pouces bleus. C'est trop bien. 43. Ah merci, t'es vraiment une fille sympa. 45. Waouh. Elle a pas l'air contente. Je suis désolé. Je t'exploite pas, t'inquiète pas. Je passerai pas celle-là. Du tout. 45. Oh, ça va, 78. Non, ça va, tu peux pas poster. Oh, t'inquiète, j'avais pas attendu. Mais je ne suis pas photogénique. Hein. Faut que j'arrête avec... Pour info, avant qu'on me dise quoi que ce soit, c'est plus, là, j'imagine un comportement de quelqu'un qui viendrait exploiter justement l'agente féminine pour faire des vues, et non pas l'agente féminine elle-même, voilà, avant qu'on me reproche quoi que ce soit, parce que j'anticipe déjà les réactions en commentaire.
Parce que j'ai justement pu observer des comportements des horloges. Donc voilà, je clarifie directement les choses. Parce que je me rends bien compte en fait qu'on peut mal interpréter ce que je dis. Ou voilà. Mais voilà, évidemment, hommes comme femmes ont le droit de faire un petit peu plein de choses sur les réseaux sociaux. Mais voir des gens profiter de certaines situations, comme par exemple, tu peux avoir des youtubeurs qui exploitent leur famille pour faire des vues ou des trucs comme ça. C'est ce genre-là aussi que, par exemple, ça m'interpelle tout bonnement. Madeline, ne sois pas si dur avec toi-même. Personne n'est photogénique sans filtre. Ça reste... Non, bah ça... C'est la connerie ce qu'il vient de dire quand même, là. Faudrait être déconné, genre... C'est ta... Genre, non. T'es contracté, mais sophistiqué. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire de la photographie, là? J'ai retrouvé mon accent, là. Mon grand-père adorait ça. Apparemment, il était assez connu dans l'univers de la photographie. Je ne sais pas si j'atteindrai ce niveau un jour, mais ça me rapproche de lui. Alors, tu es déterminé à gravir toute la montagne? Oui, je m'en suis fait la promesse, là. J'en ai marre de trahir les promesses que je me fais à moi-même, là. Se fixer les objectifs, j'ai pigé. Je ne pense pas aller jusqu'au sommet comme toi, mais je n'ai pas envie de rentrer pour l'instant. Il y a du réseau là-haut. Je n'ai pas de smartphone, là. Madeline, tu me laisses sans voix. Comment tu fais pour suivre les actualités? Oh, comment tu fais pour regarder ton compte Instagram? Et ton compte TikTok? Et ton compte Facebook? Non, Facebook c'est pour les vieux. Et ton compte Twitter? Hein? Comment tu fais pour aller trash-talker des gens sur Twitter si t'as pas ton smartphone avec toi, là, hein? Hein, sans déconner, Madeline. Madeline, va falloir te reprendre, ma petite. Oh, voyons. Comment tu fais pour parler de politique, hein? Pour chercher des noises aux gens? Non, mais dis donc. Dis donc, Madeline, ça va pas la tête ou quoi? Oh, tu m'étonnes que tu sois dépressive, Madeline. Madeline, voyons. Remets-toi aux réseaux sociaux. La dopamine, là, hein? C'est encore pire en plus, en fait, au final. Ah, misère. Alors, bruit. Alors. Attends. Parce que le truc qui est ouf, c'est qu'au final, les trois quarts du temps où t'es relativement pas bien dans ta vie, tu coupes un peu les réseaux sociaux, tu te fais une cure de désintox au réseau, tout ça, en mode, tiens, attends, je vais retrouver un rapport sain avec la dopamine, et subitement, tiens, ça va beaucoup mieux. Ah bah tiens, mais c'est bizarre. Quand t'évites un petit peu les comportements toxiques et les trucs comme ça que tu vois sur les réseaux en général, tu vois. Bah tiens, c'est marrant, ça va mieux. Enfin bref. Alors, tic. Ok, alors ça va être compliqué. Tiens, ici on va tester un truc. Si je fais ça. Ouais, c'est ça, ok, elle se barre. Ok, donc c'est bien ça. Faut pas que tu utilises du tout le sprint. Donc dans l'histoire, pour un fois, hein, quand il y a des dialogues ou des trucs comme ça, moi je me mets en posture complètement avachi dans mon siège. Mais forcément, quand tu as un passage de plateforme un peu plus intense comme ça... Ok, d'accord. C'est compliqué de lutter contre le réflexe. Donc ouais, quand t'as un passage de plateforme plus intense comme ça, forcément... va falloir se préparer un petit peu. Ah mais attends, c'est chaud ça. Est-ce que je peux pas... Ouais, si déjà t'as un raccourci qui est faisable... Ah mais non. Ah si, c'est bon. Ok, d'accord. Donc t'as le droit de mettre un dernier coup de... Ok, ça va. Dernier coup de sprint, genre quand tu chopes la fraise. Ça va, tout va bien. Tout se passe à merveille. Bien. Bien. Ok, d'accord. Donc cassons-nous. Donc nous sommes toujours dans la version mélancolique, finalement, de la musique. Quand même. Aïe. Le téléphone sonne, là. Allô? Y'a qu'une tonalité à l'appareil, là? Allô? Salut, maman, là! Maline, quelle surprise! Comment se passe ton voyage? Ça va, là? Je suis juste un peu submergé. Oh non, tu fais encore une crise de panique? Pense à bien respirer, ma chérie, je suis là! Que se passe-t-il, là? Et c'est la fin du chapitre. Chapitre fini. Incroyable. Bon, et ben voilà qui conclut donc ce deuxième épisode de Céleste. Phénoménal. C'est stylé. Le site a un signe. 14 fraises sur 18. C'est raisonnable. C'est raisonnable. Il y a quand même pas mal de fraises ratées. Face B débloquée. Nice. Face B.
Ah, les phases B, c'est pas les versions alternatives, mais des... Oh, oh, dans quoi je me lance? Dans quoi je me lance? Oh là là. Bon, toujours est-il que j'espère que vous avez apprécié cet épisode. Si ça a été le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en laissant un pouce bleu ou un commentaire. Vous pouvez également vous abonner à mon compte Instagram. Non, je déconne, je n'en ai pas. En tout cas, là-dessus, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et puis, je vous dis à la prochaine.